Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour du potager au mois de mars. Alors les engrais verts sont bien verts. Alors là j'avais planté des petits pois chiches. Et bien je pense que je me suis fait bouffer en grosse partie. J'en ai un petit là. Un petit là. Mais j'en ai mis dans toute la zone. Hein. Et je pense qu'il y a une petite souris ou je ne sais quoi qui est venue tout me boulotter. Là, j'ai les oignons. Alors aussi, c'est bon, là, c'est parti. Ça a pris du temps, mais... ça démarre. J'ai des petites salades. Et tout le tour, là, j'ai des petits oignons. Bon, là, j'ai mes radis noirs. Ben, toujours pareil, hein, toujours pas de radis noirs. Toujours que du feuille, des feuillages, donc bon. Là, l'ail magnifique. De l'autre côté, alors j'avais planté des fèves. Bah, pour l'instant, toujours pas de fèves. Elles ne sont pas pressées, les coquines. Par contre, les échalotes, elles sont toutes mignonnes. Mais les fèves, je sais pas. Alors là, je viens de faire un petit semis d'épinards matador. De chez Lidl. Voilà. C'est une partie où j'ai mis ma petite tonnelle. Au fond, il y aura cet été des cornichons et des concombres de ce côté-là. Donc en attendant, j'ai mis des épinards sur cette partie-là et sur cette partie-là. Et là, il y a quelques petites têtes d'ail que j'avais mis. À l'automne, je crois, je sais plus, oui, comme ça. Là, j'ai toujours ma mâche. Ben, quand on en a consommé pas mal déjà, donc. Là, j'ai également planté des petits épinards. De l'autre côté, on a le bac de fèves. Alors, la partie où j'ai planté des fèves, ben, toujours pas, hein. Dire qu'au niveau du temps, c'est un peu spécial. Hein. On a eu un tout petit peu d'eau au début du mois de mars, mais très peu. Et depuis, il y a beaucoup de vent là aujourd'hui. Et il pleut pas, donc c'est presque très sec, trop sec. Là, j'ai mes petites salades qui poussent. Les radis aussi qui se sont décidés. Là j'ai la beauté. Romy. Oh oui. Alors là dans mes bacs, j'ai rajouté un bac sur ma réserve d'eau et dedans j'ai mis des petits radis. Donc super, là j'ai mon persil de l'an dernier qui a bien résisté. Là c'est de la coriandre, alors j'avais tenté un semis intérieur mais ça a filé, donc ma foi. J'ai ressemé des graines là, je pense qu'il y aura plus de résultats. On va aller faire un petit tour dans la serre. Alors, là, du coup, j'ai mis des fèves en petit pot. Vu qu'en terre, ça ne veut pas, eh ben, en pot, ça va bien, hein, ça pousse bien. Donc, je vais attendre encore quelques jours et
j'irai les planter. Là-haut, on a les pois chiches, pareil, du coup, comme ils sont fait boulotter, et ben, je les ai mis en barquette et c'est bien, c'est parti. Je vais pouvoir aussi les repiquer. Là, c'est des semis que j'ai fait hier, donc pour l'instant, il n'y a rien. Panais, cosmos, œillets d'Inde et capucines à suivre. Là, c'est des petits pois. Alors pareil, j'en ai planté en terre, ils n'ont pas pris. Donc là, dans la serre, ça a bien voulu. Là-dessous, c'est des petites semis que j'ai fait. Alors, j'ai fait expérience, j'ai tenté des grains de café. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Du fusain, de la glycine. Donc ça c'est vraiment des essais. Le reste c'est plus classique, hein, basilic. Alors le café, en fait, j'ai récupéré des sacs de café. J'ai un ami qui a un magasin de torréfaction de café. Et en fait, dans les sacs de café, il reste toujours des petits grains de café qui ne sont pas torréfiés, évidemment. Donc j'ai tenté, hein, on verra bien. C'est rigolo. Là, on a des petites pousses de papyrus. Et là, on a des oignons rouges, quelques graines qui me restaient, et des petits artichauts. Donc super, je suis contente. Qu'est-ce que t'as ? T'as pas l'impression que tu t'écrases mes radis là ? Oh, j'ai mis les fèves. Ah bah si, on en a une petite qui démarre. Mais elles sont pas pressées, hein. Alors faut dire que tous les matins il fait super froid, hein. Là ça a arrêté de geler, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps ça gelait le matin jusqu'à moins 4, donc bon. Les fèves, elles sont pas très décidées, il leur faut quand même un peu plus de chaleur. Voilà. Pareil, j'ai planté des petits oignons. Pour l'instant, j'en vois qu'un. C'est la petite pêche de vigne. Fait quelques fleurs. Et là, j'ai le bac où j'ai mis pour l'instant des échalotes qui ont bien pris et de l'ail. Voilà, on va aller dans la maison pour voir les semis de tomates. Aubergines et poivrons. Alors là, qui prennent le soleil, nous avons les petites tomates. Donc je rentre évidemment tous les soirs. Ça c'est des aubergines. Et ça c'est des patates douces. Ah, qu'est-ce que c'est là ? Voilà. Encore une série de tomates. Et donc là, à l'intérieur, nous avons le pied d'aubergine que nous avons récupéré de l'an dernier. Un beau spécimen de chatounette des bois. Oh, de belles matiches. Là, nous avons un petit bananier. Là, nous avons des pousses de patates douces.
Et là, nous avons des aubergines et des poivrons et des piments. Donc voilà. Tout ce petit monde reste au chaud encore. Sous la surveillance de Tisha. Hein, Tisha? Tisha? Bon bah, si vous avez aimé cette vidéo, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis j'ai organisé un petit concours dans ma vidéo précédente, donc n'hésitez pas à y participer. C'est tout simple et ça peut vous faire gagner quelques petites graines. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.